Salut à tous, ici Sir Madness donc pour un nouveau plateau de Ticket to Ride. Alors aujourd'hui ce sera United Kingdom, voilà l'Angleterre donc avec ses extensions Pays de Galles, Écosse, Irlande. Alors on est parti immédiatement, un plateau limité à 4 joueurs et un plateau qui va nous proposer pas mal de petites nouveautés. Alors on va avoir déjà une nouveauté assez nouvelle, c'est ce trajet ici avec 10 wagons. Ce trajet de 10 wagons qui rapportera 40 points, donc, mais qui nécessitera 3 ferries. Donc ce trajet, vous pouvez le faire n'importe quand. Et on va tout de suite toucher la petite nouveauté de ce plateau, c'est qu'au départ du jeu, ne sont accessibles aux joueurs que les trajets de 1 wagon et 2 wagons. Voilà, tous les trajets à 3, 4, 5 et 6 vont devoir être débloqués. Ainsi que vous voyez les ferries, donc les petites cases dont vous avez l'habitude, hein, qui s'utilisent avec les locomotives, et bien ces ferries doivent être débloquées via une technologie également. Et dernière chose, les locomotives peuvent être remplacées par 4 cartes choisies n'importe comment. Donc par exemple, la carte noire, la carte orange et les deux cartes bleues peuvent remplacer à L4 une locomotive. Voilà, et on va tout de suite regarder les technologies. Donc voilà, alors les technologies, ça va être par exemple les trajets Irlande-France, les trajets en direction de l'Écosse, les trajets au Pays de Galles, ainsi que ici on va avoir par exemple, vous pouvez prendre les routes de 3 espaces. Donc voilà, il vous faudra dépenser ça. On nous dit ici hein, qu'on n'a pas assez de cartes pour les débloquer. Alors, on a assez pour aucune hein, pour l'instant. Nous avons voilà, des technologies spéciales donc, pour augmenter nos points. Nous avons ici, voilà, vous pouvez prendre les ferries avec cette technologie-ci. Vous avez une petite technologie spéciale qui fonctionne un peu comme les gares sur le plateau Europe qui vous permettra de prendre les routes utilisées par les autres joueurs. Vous avez une technologie ici qui vous sert à prendre 2 points de plus par trajet terminé. Et voilà ici le booster qui vous permet d'échanger uniquement 3 cartes contre une loco au lieu de 4. Donc voilà, cette petite chose qui vient agrémenter le jeu Ticket to Ride. Alors, on n'a pas choisi nos destinations, on va pas aller les chercher là-bas. Si on peut les prendre en Angleterre directement, ce serait bien mieux, mais on va pas avoir beaucoup de choix. Allez, on va prendre ça, on a dit. Et puis ça, on va essayer de rester dans le même coin. On va essayer de se faire le trajet à 40, puisque celui-là ne nécessite aucune technologie. Voilà, donc c'est un plateau de jeu qui va demander un peu plus de maîtrise au niveau de ces technologies, hein, ça demande un peu plus de... Ça sort un peu du cadre du Ticket to Ride et des stratégies classiques, puisqu'il va falloir, dans un premier temps, récupérer à tout prix des locomotives. Alors vous pouvez acheter vos cartes, en général en échange de 2, 3, 4 locomotives, ou autant de cartes neutres x3 ou x4 en fonction de si vous avez la technologie ou pas. Donc vous voyez ici on nous dit voilà, ça coûterait une loco. Nous on a tout ça là dessous de cartes. Du coup qu'est-ce qu'il nous faut en fait? Qu'est-ce qu'il nous faut? Bon, on va continuer de piocher. Là, il nous faut du vert, il nous faut du jaune, il nous faut également quoi d'autre? Du jaune, du blanc. Et les autres sont là, du blanc, du rouge, du bleu. Ok, allez, on va prendre le blanc, hop. Alors on va essayer de prendre la technologie qui nous rapporte des points en plus par trajet. Ce serait pas mal, même si ce n'est qu'un point. Alors à noter que vous pouvez acheter vos technologies et ensuite jouer votre tour. Voilà, acheter une technologie n'est pas une action comme piocher une destination ou des cartes ou poser.
Voilà, là on a 4 locaux, on va être bien pour acheter la première technologie. Et poser le premier wagon. Ici, on nous dit il nous faut Irlande-France. Voilà, ça coûte une locomotive, on achète ça, hop. Et on va pouvoir poser immédiatement. Donc là, on est tranquille pour tous ces trajets-là. Alors, est-ce qu'il nous fallait d'autres cartes blanches? Tout à fait, il nous en fallait deux pour ici. Après, il nous faudra la technologie pour prendre les trois wagons ici. Mais on n'a pas de carte jaune. Il y en a une ici qui traîne. Ok, on va la récupérer. Pas besoin de rose. On a besoin de vert. On en a une. On a besoin de bleu. On en a. Du jaune, on n'en a pas. Il nous faut du jaune à tout prix. Alors vous voyez, là, il a payé avec d'autres cartes que des locaux. Et du coup, il a dû lâcher... Énormément de cartes. Hop, on a les trois. Allez, on va se faire nos petits trajets tranquillement et après on va acheter la technologie, poser nos trois wagons. Voilà, ça c'est fait. Et après on s'occupera de la grande route. La grande route là-bas, direction transatlantique New York. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le truc pour les trois... Alors ici c'est les routes à 4, 5 et 6 espaces. Là on peut prendre les ferries. Ah oui, il nous faudrait ça également. Effectivement, on va prendre ça. Voilà, on va continuer de piocher. Hop. Voilà, maintenant on va acheter l'autre technologie. Alors laquelle... Trois cartes quelconques peuvent remplacer une loco. Alors pourquoi pas. Chaque ferry que vous prenez après l'acquisition de cette carte vous rapporte 2 points supplémentaires. Ça peut être très intéressant ça. Pour l'instant on n'y est pas. Mince, mais où est la carte? Ah ben voilà, c'est celle-ci. C'est celle-ci, on va prendre le truc pour... Alors normalement on a... Voilà, là on a le truc pour un point supplémentaire. On va pouvoir poser donc... Ceci. Voilà, et au lieu de 6, on va prendre 7. Alors, c'est pas grand chose à un point, mais c'est vrai que si vous faites beaucoup de trajets, ça peut valoir le coup. Ok, bon, on va continuer de piocher. Alors, notez qu'il y aura des petits points également, il me semble, pour les technologies achetées. Non, c'est pas un plateau hein, sur lequel je joue souvent. J'ai plus de préférence pour le plateau Asie, a priori. Alors on attend hein, des nouveaux plateaux sur cette version PC et smartphone. Parce que bah, sur le jeu de table, hein, il y en a vraiment beaucoup plus. On va avoir des trajets en Afrique, on va avoir des choses qu'il n'y a pas encore ici. Mais qui ne sauraient tarder. Hein. Pas de raison. Bien, alors on va acheter peut-être une technologie. Donc ça c'était quoi? 3 cartes à la place de 4 pour les locaux. On va faire ça. Bien, ça peut toujours être utile. Et dans la foulée, on va piocher. Oh, il y a une petite jaune ici. Voilà. Alors maintenant il nous faut ça. Voilà, on peut prendre les ferries désormais. Et on va continuer de piocher. Hop.
Alors 4, 5, 6, pour l'instant ça nous intéresse pas. Chaque ferry, donc c'est celle-ci qui nous intéresse. Allez, on craque ces cartes là pour acheter des technologies. Ok, une loco. Bah tiens, on va pouvoir faire un petit test. On va voir si les locaux qui coûtent moins cher. Et voilà, non, ça fonctionne également pour acheter les technologies. Donc en fait, il aurait été plus intéressant d'acheter cette carte en tout premier. Pour faire baisser le prix de toutes les technologies, en fait. C'était pas celle-ci, hein, évidemment. C'était la carte, je ne sais plus laquelle. Hop. C'était celle-ci qu'il aurait mieux valu acheter en tout premier. Bien, donc maintenant on va pouvoir terminer ici notre trajet. Marquer plein de points. Et maintenant on va s'occuper du grand trajet à 40 points. Avant de finir tranquillement peut-être avec de nouvelles destinations et quelques autres choses. On prendra la carte bleue si elle est encore là. Parfait. Il nous en faut 10 hein, en tout, dont 3 ferries. Alors évidemment les ferries on peut les négocier avec d'autres cartes. On va peut-être prendre les cartes blanches maintenant. Ok, on est pas mal, il nous manque juste une carte blanche, elle est ici. Ça c'est fait, voilà, au prochain tour on va pouvoir prendre ce trajet. Alors ce trajet hein, qui ne nécessite aucune technologie. Et voilà, là on marque plus de points parce qu'on a pris les technologies qui nous permettaient de marquer donc plus de points. Plus de points pour les ferries et plus de points pour le trajet tout court. Donc c'est 2 points quand votre trajet contient un ferry et 1 point pour chaque trajet, chaque section. Alors maintenant ce qu'on pourrait prendre c'est éventuellement la technologie 4, 5 et 6 espaces. On peut l'acheter tout de suite, on va le faire. Voilà, et comme ça on peut se permettre d'aller squatter maintenant des nouveaux trajets et des trajets avec des ferries si possible. On n'a absolument aucune locomotive dans votre main. Ça y est, on en a une. Donc on peut, pourquoi pas, aller ici. Mais ici, on nous dit qu'il nous faut Scotland Concession. Bien. Où es-tu ? Tu es là. Et ça nous coûte une loco. Mais alors du coup, on va peut-être pas donner ça. On va donner ça. Histoire de garder ce qu'il nous faut. On a proposé le ferry. Allez, on va piocher, on n'est pas en retard. On a encore de la marge. Ok, parfait. 2, 3, 4, plus le ferry. Là, on a les cartes vertes. Ici, c'est en Angleterre, il n'y a besoin de rien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 4 plus un ferry. Alors, il nous reste 3 wagons uniquement.
Trois wagons, bah écoutez, on peut se poser là, pourquoi pas. Avec le ferry, tout à fait. Attendez qu'on déclenche le dernier tour. Qu'on n'a plus de wagons. Bon, on l'aurait fait, mais elle a 96. Le meilleur à 39. Mais alors là, on peut rien faire, on va pas reprendre de trajet. On risquerait de ne pas pouvoir évidemment les compléter. Grand suspense hein, des trajets. Alors évidemment, vous voyez que les trajets rapportent beaucoup moins de points que sur les autres versions du jeu. Bon, ok, pas tous les trajets. Est bientôt fini. Qu'est-ce qu'on leur a mis? Eh bien voilà, donc ce petit plateau Angleterre. Petit plateau Angleterre, puisqu'on va le revoir dans pas trop longtemps pour une petite version différente. Bien voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce plateau en souhaitant qu'il vous a plu. Et on se retrouve tout bientôt pour d'autres plateaux. Allez, ciao.